Salut, c'était DJ, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de nous retrouver sur Elden Ring. Aujourd'hui, on va s'attaquer au manoir du volcan. Alors, il y a deux possibilités pour y aller. Il y a soit il faut faire la quête de Rhea, et nous, c'est ce qu'on va faire. Ou sinon, il faut récupérer les deux morceaux de médaillon, prendre l'ascenseur, arriver sur le plateau d'Altus. Mais on peut utiliser la méthode la plus simple, donc on va pas s'en priver. C'est parti. Rhea se situe au niveau du marqueur 3. Hello. It's rather chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by a ruffian. And now I'm... Could I ask that thug only if you've... Oh, what a blessed thug, please. Maintenant, on se dirige au niveau du marqueur 2. Voilà, voilà, nous arrivons au niveau de la cabane aux crevettes bouillies. On récupère le téléporteur, ça va nous aider à nous TP. Et là, il y a un cher monsieur qui nous attend. Où est-il, le bougre? J'ai fait le tour toujours, mais en fait, il était juste là. Ok. On achète le pendentif de Rhea. Maintenant, on retrouve Rhea. On lui donne le pendentif. On récupère l'invitation au manoir du volcan. Nous nous retrouvons au plateau d'Altus. Et on va retrouver l'agréable Rhea qui nous attend paisiblement, gentiment, sereinement, juste à côté. Stop, brave tarnished. You will only tire by striking this barrier. I see that you have I've been waiting for you. I knew you had the stuff of champions. I hereby invite you to the Volcano Manor. Take my hand and have audience with my mistress. Give me your hand. I will pray that you follow the same path as Lady Tanith. Et nous voilà maintenant au manoir du volcan. Ok, ok. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous diriger justement au donjon du volcan. C'est ici. S'il y a des petits escargots, mais ne t'inquiète pas, ils ne sont pas très difficiles. Il faut bien mettre sa lanterne. Hop, on récupère un bourgeon. N'hésite pas à courir. Hop là, esquive. Attention, les escargots, ça mord. On en profite pour récupérer le manuel de guerrier nomade, numéro 21. On esquive. Alors ici, il y a un ennemi que j'aime pas. D'ailleurs, je suis mort. Je vais pas le combattre à nouveau. Hop, je l'esquive, je récupère mes runes. Et il y a un site de grâce juste après. Voilà, ici. Donc ce que tu peux faire, en fait, c'est justement récupérer ce site de grâce et retourner en arrière, il n'y a pas de problème. Ok. Donc en fait ici, l'objectif va être justement de remettre le pont afin d'avoir un accès bien plus rapide. Du coup, on va passer par le bas. Alors cette zone-là est assez agaçante, je trouve. Coucou toi. Alors lui, il s'allonge, voilà. Ça, c'est parfait puisqu'en fait, du coup, il est tombé. Il va plus nous agacer. Alors j'ai fait un petit peu de farm, j'ai récupéré le masque blanc qui permet en fait justement d'augmenter les saignements. Et vu que j'ai un build saignement, c'est parfait, attention,
Madame, coucou toi. Attention chien. Je n'ai plus beaucoup de vie, je me soigne. Madame arrive. Je me fais enchaîner. Ouh, elle m'a pas eu, heureusement. Sinon je serais mort direct. Agaçant ces chiens. Ah, elle a tué les chiens. Merci madame. Alors ici il y a un loot à récupérer, tu peux utiliser une clé lame de pierre. Non mais j'ai pas du tout le niveau contre elle en fait. Je sens que je vais mourir. Ne m'attrape pas! Tu n'es pas mon genre, donc je ne veux point que tu m'attrapes. Il y en a une autre ici. En fait, il y a un petit loot à récupérer assez sympathique qui augmente les PV, me semble-t-il. Le médaillon d'ambre pour... Ouais, effectivement, ça augmente un petit peu les PV. Celui-ci est easy. Et là, il y a un ennemi non plus que j'aime pas. Est-ce que je vais réussir à aller faire un backstab? Non. Waouh! Il pique! En plus, il crache du feu. Waouh! Il m'a empoisonné. Je me fais enchaîner. D'accord, je suis mort. Lui aussi, mais je suis également mort. Tu sais quoi, on va passer par les toits, ça sera beaucoup plus agréable. On ira un petit peu plus vite. Au moins, on pourra esquiver les dames nature. Alors, il faut tomber pile poil au bon endroit. Pour pas retomber sur l'ennemi qui m'a tué. Personne ne se protège, ok. Ici, là, c'est celui-là qui a le plus de force. Tiens, on va récupérer l'ascendant de guerre. Viens là, toi. Allez, c'est bon. En plus de ça, j'ai aggro le mob. Pierre de forge. Tac, sauté. Il est mort. Parfait. Ouh, c'était chaud. Je récupère mes runes. Et là, il me semble qu'il y a un objet à récupérer pas très loin. Viens là, toutou. C'est bon, il est mort. T'acharne pas, il est mort. Alors là, il me semble que tu peux tomber pour récupérer quelques loot, mais ça m'intéresse pas. N'hésite pas à faire un tour si ça t'intéresse. On récupère la rune dorée. Et ici, en fait, il y a un loot à récupérer. Alors, je le tue déjà dans un premier temps. Et tout droit. Voilà, le sceau de l'arbre monde. Qui est un talisman assez intéressant. Qui est surtout essentiel pour la magie. Non, il n'y a rien ici. Ok. Maintenant on va se diriger vers la gauche puisqu'on vient du côté droit, enfin du moins si on passe pas par les toits. En fait cet ennemi, lorsque il s'allonge, en fait t'es safe. Idéalement, le mieux c'est de tourner autour de lui. Donc ici c'est bloqué. Il faut faire le tour. En fait, il faut monter sur les toits. Voilà, il faut passer par là.
Alors en bas, il y a des ennemis qui paraissent inoffensifs, mais ils ne le sont pas du tout, parce qu'avec leurs bras, en fait, ils te font super mal, mais ils ne bougent pas. Alors ça, c'est pratique. Mais en fait, ils te mettent un coup et tu perds énormément de PV. Il y en a un qui est caché là. En plus, ses bras s'allongent, mais s'allongent. Ok. On va ouvrir la porte, ça évitera de faire le tour. Ceci fait, on va descendre. Alors ici en fait il faut faire très attention parce qu'en fait il y a des ennemis qui pop à une vitesse, voilà comme ça, et ils t'attrapent en fait et ils t'enchaînent. En fait ils te lâchent plus, ils te font un énorme bisou et ils te lâchent plus. Il y en a plusieurs d'ailleurs ici. Celui-ci est mort, là il y en a deux. Voilà, tu vois, ils te font un bisou et te lâchent plus. Et tu perds la moitié de ta vie. Voilà. Non, il n'y a pas de mur invisible. Joie ou joie. Alors, il y a un truc très important dans Elden Ring, c'est qu'il faut ouvrir le maximum de portes. Au moins, ça permet, si tu meurs, de pas refaire la totalité du tour. Ici, ouais, il y a un truc à récupérer, mais je crois que c'est rien de très important. Grand carreau explosif, ici, il n'y a rien, me semble-t-il. Non. Donc là tu peux sauter, il n'y a pas de problème, mais je vais pas sauter par là. Je préfère sauter par ici. Voilà. Alors ici tu peux passer, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien d'essentiel, il me semble que c'est une ruine dorée. Alors j'ai un ennemi qui me jette des trucs. Je sais pas ce qu'il me jette. Du poison peut-être. Alors quand tu vas dans la lave, t'inquiète pas, tu ne meurs pas. Il est où? Je le vois pas. Ok, maintenant on va aller chercher un ascenseur. Alors il faut pas se tromper d'ascenseur parce qu'en fait il y a un dragon magma à tuer. Et en fait, vu que tu es dans la lave, tu perds des dégâts supplémentaires par rapport aux dégâts qu'il te fait. Donc il est assez coriace. Alors je déteste cet ennemi également. Un peu plus loin, tu vas voir, il y a les mêmes ennemis. En fait, les lianes sont recouvertes de lave. Peut-être de feu, je ne sais plus. Et ceux-là, ils font très très mal. Ah non, je me suis trompé d'ascenseur. Celui-ci, c'est pour aller affronter le dragon de magma.
Allez, on remonte. En fait, il faut prendre celui-ci. Qui va nous amener en haut. Et ensuite, on va pouvoir remonter le pont. Il y a un ennemi là qui est fort sympathique, on va aller l'affronter, mais avant cela je vais aller récupérer l'objet qui se présente ici. Parfait. Alors il est assez costaud, mais il est prenable. Sauter, ça marche très bien. Voilà. Allez, maintenant on va aller affronter le premier boss de cette zone. Alors il est très très dur, il frappe très fort. Et l'invocation, alors là j'arrive pas à l'invoquer, peut-être un peu plus tard. Toujours pas. Faut peut-être attendre que le boss pop, voilà. Le noble Sanctocher. Il est costaud. Mais des bastos. Saignement parfait. Voilà. Ciao, ciao. Allez, maintenant, on va s'attaquer à du gros boss majeur. Allez, c'est reparti.
C'est à cet instant que tu te dis, mince, je suis mort. Mais non, ça va, ça passe. Tout ça pour un remède des doigts crochus. Donc là ici t'es obligé de toucher un petit peu la lave. Ici il faut faire attention à madame. Voilà, bien la contourner. Alors en bas il y a un objet à récupérer, un manuel me semble-t-il. On va aller le récupérer. Ouf, ça passe. Je déteste ces mobs. Il me fait un énorme idée. J'aime pas les bébêtes comme toi. Alors c'est vrai qu'au début ça paraît assez difficile d'esquiver les attaques, mais en fait une fois que tu maîtrises en fait les esquives et les parades, tu sais bien en fait utiliser le timing en fait pour bien parer, pour bien esquiver. Après une fois que tu sais parer, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, il y a un objet ici à récupérer, c'est un manuel de missionnaire. Maintenant il faut remonter. On récupère une luciole de pierre d'éclat. Bon, lui je l'esquive, j'ai pas envie de m'y frotter. Ok, parfait. Et voilà, en fait c'est l'ennemi qui est droit devant, qui dispose en fait de l'âme sur ses lianes. Non, je vais pas y aller. Ah non, c'est pas lui. Mais en tout cas, il y en a un qui dispose des lianes de lave. Il est peut-être juste après, en fait. Voilà, c'est lui. Donc là, il faut courir le plus vite possible. Voilà, c'est lui. Ah, je me suis fait toucher. Donc on arrive dans la dernière salle avant le boss. Je déteste ce passage. Je me fais agresser dans tous les sens. Allez petit petit, venez, venez. Ah, ils peuvent pas venir, ils sont coincés. Et du coup, je vais les avoir comme ça. Voilà.
cendres de reptilien. Lui ne bouge pas. Allez, on le laisse en vie. On est sympa tout de même. Donc le boss est juste derrière. Tu peux y aller direct. Mais en fait, il y a un objet super important à aller récupérer. Là-bas, on y va. Alors ici, il faut une clé lame de pierre, sinon tu peux pas passer. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer où est le boss, comme ça au moins tu pourras passer le passage. D'ailleurs, non, on va pas le faire en vidéo. Ce qu'on va faire en fait, c'est que... Ah si, on va le faire en vidéo. En fait, je vais te montrer déjà dans un premier temps comment aller directement au boss. Donc tu TP ici directement et tu vas affronter le boss. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut sauter direct? C'est une très bonne question. Donc oui, on peut sauter direct. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps en fait, libérer l'accès au manoir, puisque il y a un raccourci ici. Et ensuite, on ira récupérer l'objet. Avant que je meure, ça serait dommage de tout refaire. Voilà. Voilà, et cette porte nous mène directement au manoir. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir passer par là, même si ça ne sert strictement à rien, puisqu'on ne peut pas remonter, il faut faire tout le tour. Mais avant de partir en direction du boss, on va récupérer l'objet tout de même, puisqu'on est venu ici justement pour le récupérer. Alors, du coup, on peut remonter, hein, il n'y a pas de problème, puis repartir en direction du boss et revenir chercher l'objet. Un peu plus tard, tu vois ici on a la porte du manoir. On peut justement récupérer nos popos, ça pourrait être pas mal. Alors, on récupère l'objet qui va nous intéresser. Celui-ci. Malédiction du semi. Donc, j'ai refait toute la zone et je suis revenu en fait au niveau du téléporteur. Je TP. Je récupère le site de grâce. Alors il y a un truc qui est très important, c'est qu'il faut récupérer cette arme. Et en fait, on va aller l'améliorer de suite au bastion. Alors en fait, c'est cette arme qui va nous permettre en fait de tuer le boss. Et en fait, cette arme à son maximum est très puissante. Donc là, la traque vipère plus 1, je vais l'améliorer au niveau max à plus 6. Alors il faut savoir également que cette arme est indexée en fait
sur les points de force de ton personnage, donc plus t'as de force, plus tu vas faire de dégâts. Donc ici, tu invoques tes cendres, mais ça sert strictement à rien parce qu'en fait, il te fait de nombreux dégâts, il fait très très mal. Et en fait, ici, tu as deux possibilités. Soit tu utilises la touche R1, comme ça. Voilà, tu peux faire de très très gros dégâts. Sinon, tu utilises en fait la touche R2 qui te permet en fait de lancer un sort. Mais en revanche, du coup, ça consomme de la mana et la touche R1, ça consomme bien évidemment de la vigueur. Donc c'est à ton choix. Voilà, parfait. Et il va passer en phase 2 maintenant. Et voilà, maintenant c'est Rykard, seigneur du blasphème, et c'est exactement le même principe, sauf qu'il fait en fait quelques attaques supplémentaires contrairement à la première phase. Donc ça c'est l'attaque avec R2, ça c'est l'attaque avec R1. Donc pour ce boss, je te conseille vraiment de mettre des popos de mana. C'est vrai que l'attaque R2 fait beaucoup plus de dégâts. Après, tu peux l'enchaîner avec R1, il n'y a pas de problème. Il fait très mal. Il me reste que très peu de popo, il m'en reste 3. Alors cette attaque, il faut tout le temps esquiver. Parce que sinon les têtes de mort explosent, il ne faut pas faire comme moi. Au bout d'un moment, ça s'arrête, t'inquiète pas. Voilà. Allez, je l'enchaîne puisque j'ai plus de popo. Ah,
Alors des fois la caméra pour ce boss c'est complètement buggé. Malheureusement c'est comme ça. Pas rien y faire. Voilà, il est mort. Defeated our lord. No. I must thank you. Our lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our lord is immortal and will one day rise again. Stronger. Until then, I must stay the path and do my part. I will leave the Volcano Manor before long. I suggest I will miss these in the champion who walks the I always was. Et maintenant nous retrouvons Reika, enfin du moins ce qu'il en reste. Oh, you. Allow me some time. Our lord's carcass is vast and not easily consumed. Dear Rykard, please find purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day, let us devour the gods together. Dear Rykard, I wish one day... Wouh, c'est cool, nous avons terminé cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. S'il t'a plu, petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir pour le référencement de la vidéo et le travail fourni. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.